Depuis 2020, nous faisons face à des épisodes challengeants, à des moments de vie vraiment difficiles. On sait que le taux de vibratoire de la planète est en train de se modifier, est en train de changer. On constate aussi qu'on est en train d'entrer dans des nouvelles ères, que le monde est en train de changer, de fluctuer, que notre taux vibratoire essaye de s'adapter à tout cela, que nous aussi on essaye de s'adapter à ce nouveau monde, à cette nouvelle ère, à cette nouvelle règle, et que ce n'est pas facile du tout. Sachez que ce n'est pas du tout de votre faute, c'est tout à fait normal si jamais vous êtes fatigué, voire même complètement épuisé, que vous avez le moral qui fait des hauts, des bas, etc., que c'est compliqué, c'est tout à fait normal. Moi, je suis Camille, je suis thérapeute dans les lectures akashiques, et avant, à la base, j'étais kinésithérapeute, ostéopathe, je me suis formée aussi en bioénergie, c'est de l'énergétique chinoise qui était couplée à l'ostéopathie. J'ai également fait un cursus de Reiki et d'autres formations dans l'énergétique. Et le moyen que j'ai trouvé, qui à mon sens est le plus facile, le plus simple et le plus efficace pour traverser toutes ces vagues énergétiques, pour nous aider nous, mais aussi pour aider les autres, eh bien ce sont les soins énergétiques. Et si c'est quelque chose qui vous appelle, les soins énergétiques et les mondes angéliques, sachez qu'il y a une nouvelle méthode de soins énergétiques qui s'appelle le Reiki angélique et qui combine les deux méthodes à la fois. Les soins énergétiques, le Reiki et le monde des anges, notre équipe angélique qui nous aide à faire des soins. À qui s'adresse cette nouvelle méthode? Eh bien ça, on va en parler lors de ma masterclass. Allez, tous ensemble, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et le Reiki angélique, à qui ça s'adresse? C'est vraiment si vous avez envie d'aider les autres. Si vous sentez que vous êtes peut-être un peu sensible, empathique, que vous avez envie de diffuser votre lumière, votre amour, que vous avez envie d'aider les personnes à évoluer, à trouver leur mission de vie, leur mission d'âme, d'aider les personnes à aligner leurs chakras, à nettoyer leur corps subtil, les scories qu'elles ont autour d'elles, mais que vous avez aussi envie de vous aider vous, de vous aussi recevoir des soins, et que vous avez envie de développer vos capacités, vos ressentis, de développer cette connexion avec les mondes angéliques, et que vous sentez que c'est dans votre mission d'âme de faire des soins, même si vous êtes complètement débutant, que vous n'y connaissez rien du tout, eh bien le Reiki angélique est fait pour vous. Pourquoi se former en énergétique, en soins énergétiques, en Reiki angélique? Ça, c'est quelque chose dont on va parler dans les vidéos ci-dessous. Si vous vous inscrivez à la masterclass, vous allez recevoir plusieurs vidéos pour parler de cette méthode, pour détailler plusieurs points, pour savoir si c'est fait pour vous, si ça vous attire. Mais a priori, si vous êtes intéressé par la spiritualité, par les soins, par les anges, c'est quelque chose qui devrait peut-être vous attirer. En tout cas, vous verrez, vous aurez l'occasion de me poser toutes vos questions. Et sachez que c'est vraiment une méthode à part entière que j'ai structurée, que j'ai canalisée, que j'utilise depuis déjà plusieurs mois, même plusieurs années, parce que j'avais commencé il y a 2 ans maintenant. Et j'ai vraiment créé ma méthode de bout à bout. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Les portes seront ouvertes, les places seront limitées. Pourquoi? Je vais limiter les places à cet événement et à ce programme, puisque je ne vais pas pouvoir initier tout le monde, je vais devoir initier les personnes une à une, et donc pour ça, je vais devoir limiter le nombre de places tout simplement. Donc, si vraiment vous sentez que vous êtes appelé, venez vous inscrire et ne manquez pas cette occasion, puisque les portes seront ouvertes sur vraiment ce laps de temps de 5 jours et pas plus. Et je ne pourrai pas prendre plus de personnes par manque de temps. Je ne sais pas si je rouvrirai les portes un moment dans l'année ou si ce sera l'an prochain. Donc essayez de ne pas louper ce créneau et venez rejoignez-nous, même si vous avez juste envie d'en savoir plus, de parler de soins énergétiques, de poser vos questions, sans forcément vous engager dans un programme par la suite, c'est pas du tout obligatoire, loin de là. Mais c'est l'occasion de venir parler, d'échanger. Dites-moi si vous faites déjà des soins énergétiques, si vous utilisez déjà certaines méthodes, si vous connaissez déjà certaines méthodes, ou si au contraire vous êtes complètement débutant, mais si peut-être que ça vous attire, que vous êtes un peu intrigué, de vous dire mais c'est quoi cette nouvelle méthode? Comment on travaille avec les anges? Qui sont l'équipe angélique qui nous accompagne? Comment pratiquer les soins énergétiques et puis pourquoi faire des soins énergétiques, puis de quoi avoir besoin pour pratiquer les soins énergétiques. On va parler de tout ça lors de la masterclass et je vais aussi vous en parler dans les vidéos que vous allez recevoir par email juste en dessous. Je vous embrasse,
Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous rencontrer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sachez que si vous êtes attiré, bah c'est probablement que c'est fait pour vous. Puis si vous n'êtes pas attiré, eh bien c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans votre mission de vie ou dans votre mission d'âme. Et puis moi, pour toutes les personnes qui sont intéressées, bah je vous accueille avec plaisir à la masterclass et je vous dis à très vite. Des bisous!